Les grilles du 45 rue des Alexiens seront donc fermées à la fin du mois. Avec d'autres, ce centre d'hébergement avait été ouvert pour renforcer la capacité d'accueil du SAMU social pour l'hiver. Mais d'ici quelques jours, 900 personnes vont devoir retourner à la rue. Nous allons descendre d'une capacité de 1010 places à 110 places. Et donc un certain nombre de personnes, dont des hommes seuls, des femmes seules et des familles, vont être effectivement mises à la rue. Il restera donc une centaine de places ici dans ce centre d'accueil permanent, mais pas plus. Pas assez, en tout cas pour le SAMU social, qui s'inquiète du sort de 360 personnes particulièrement vulnérables. Cette année, le nombre de familles qui est relativement élevé par rapport aux autres années, vu qu'on a à peu près un peu moins de 200 personnes en famille, dont une centaine d'enfants, 108, dont la moitié est scolarisée. Donc c'est un énorme problème pour nous. Mais chaque année, effectivement, nous avons notre même public, des femmes seules, des hommes seuls, qui sont âgés, qui ont des problèmes médicaux, qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique et qui sont aussi un public vulnérable. Dans ce contexte, il y a quelques jours, le SAMU social a demandé à leur ministre compétent de maintenir 200 places pour des familles jusqu'en juin. Au cabinet Heutebrook, aucune réponse n'est apportée pour l'instant. Tout au plus, le sujet sera évoqué au prochain collège.